y en a qui s'emmerdent avec du pognon, hein. Moi, j'en ai pas de pognon, mais je me suis bien émerdé. Ben, c'est-à-dire, j'ai trouvé une combine, maintenant j'achète tout à crédit. Alors, c'est retenu sur ma paye. Il y a des fins de mois, tellement je touche peu, je sais même pas si je bosse. Par exemple, là, je viens de m'acheter une maison de campagne, au bord de la mer. Bon, ça s'appelle comme ça, je m'excuse, hein. Bon, alors, j'ai acheté à crédit, enfin, à côté de crédit, pas loin. Bon, j'ai pris en Normandie, hein, c'est ce qu'il y a de moins cher comme bord de mer, hein. C'est pas ce qui fait de plus chaud. On a beaucoup exagéré à Normandie. Moi, je vois, je suis allé 3 fois en Normandie cet été, il n'y a pas neigé une seule fois. Bon, évidemment, et puis le climat est très sain pour celui qui supporte les bottes en caoutchouc. Et puis le mec qui est copain avec une grenouille, il l'emmène et elle est contente. En Normandie, il pleut un petit peu. Mais en France, il pleut partout un petit peu. Bon, en Normandie, il pleut un petit peu partout. Bon. Alors moi, déjà, dans la vie peinard, j'ai acheté une maison Merlin. Vous voyez? Maison Merlin, cage à lapin. Bon. J'ai pris crédit personnalisé à long terme. Parce que chez Merlin, c'est le crédit qui est cher, c'est pas la maison. Hein. Ah ben, quand on voit la maison, on dit, c'est pas vrai, ça coûte pas ce prix-là, hein. Ah ben non, vieux, c'est le crédit qui est cher. Oh, tu m'as fait peur. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on a fini de payer le crédit, si on pouvait le vendre, hein, on serait plus de pognon qu'en vendant la maison. Hein. Alors, j'ai pris crédit personnalisé. Personnalisé, c'est chacun le sien. À long terme. C'est-à-dire, c'est un prêt de loin. C'est-à-dire, moins tu peux payer, plus tu payes. C'est la formule Merlin, c'est pendant le crédit, tu répares ce qui s'écroule, et au bout de 15 ans, les ruines sont à toi. Oh. On se calme. Alors déjà dans la vie pénard, alors maintenant au boulot, moi je suis syndiqué. Hein. Je suis syndiqué, je suis TFO. Force ouvrière. Gardez vos forces, les ouvriers. C'est ce qu'il y a de mieux comme syndicat, FO. Hein. FO, c'est un syndicat qui est beau. FO, le syndicat qu'il vous faut. Parce que et faux, c'est le mieux comme syndicat, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le plus petit. C'est celui qui fait le moins grève. Donc on gagne plus. Et quand on est obligé, on l'a fait, parce que sans ça, ça se verrait. Mais c'est toujours nous qu'on reprend le boulot le plus vite. Hein. Vous savez, et faux, c'est un petit syndicat qui est sur la corde raide. Hein. Parce qu'il penche trop du côté des ouvriers, les patrons payent plus. Et puis s'ils penchent sur du côté des patrons, ça va se voir que c'est eux qui payent. Et c'est pas le but de la manœuvre. Parce que vous comprenez, les syndicats, ils sont un peu dans une situation délicate. Je vais vous expliquer, des fois on dit, ouais, syndicat est complice du pouvoir. Faut savoir déjà que pour 20 millions de travailleurs en France, il y a 2 millions de syndiqués. Alors, faire la grève à 18 millions de mecs pas inscrits, c'est pas un problème. Mais leur faire reprendre le boulot quand les revendications n'ont pas abouti, c'est plus dur déjà. C'est en 68, les ouvriers de chez Renault, ils ont dit à Segui, bah tiens, les accords de Grenelle, vous avez qu'à vous les tailler en pointe, et puis vous les... Alors, il peut pas, c'est un homme, il est tout rouge, il a déjà autre chose. Non, je sais pas, je dis ça, ou alors il se maquille avec un gant de crin. Bon. Alors, si vous voulez, moi je suis à FO, je suis délégué syndical. J'arrive le matin, Chabin! Je fais des discours avec mes gamelles dans l'autre main. Camarades, la contestation est née du capital. Elle est engendrée par le capital. Le capital est donc plus important que la contestation, car la contestation ne vit pas de ce qu'elle conteste, alors que le capital vit de sa contestation. Je vais vous rassurer tout de suite, les autres ne comprennent pas non plus. Mais au moins, ça fait plaisir de savoir qu'on est compris par des mecs qui comprennent des trucs qu'on ne comprend pas. Parce que nous, on n'est pas cons, le syndicat, on fait croire qu'on comprend. On n'est pas cons. Et puis moi, j'ai repéré un truc. Le ton compte beaucoup et les gestes. Attendez, je vais vous le faire. Camarade! Les mains, ils disent, là, pardon. Camarade balayeur, grâce au syndicat et par le truchement du dialogue, tu seras l'égal du patron. Dans le dialogue, hein.
Parce que dans le détail, tu seras payé moins, puis c'est toi qui balayeras la cour. Ah bon, je perds pas mon boulot? Non, non. Ah ben, ça va. Alors, je suis très bien vu par le patron. Je suis reçu à la campagne, à la chasse. Entrez, mon ami, asseyez-vous, c'est du cuir. Touchez à mon chien, connaissez ma femme, bon. Ou le contraire, ça dépend de la taille du chien. Bon. On était là comme ça, et qu'est-ce qu'il me glisse dans la conversation? Il me dit, alors quand est-ce qu'on arrête la grève? Mais j'ai dit, mais c'est quand vous voulez, hein. Eh, c'est où le patron, hein? Ça dépend du stock. Parce que moi, je travaille dans une usine où que la grève dépend directement du stock. C'est pas pour dire du mal, hein, c'est l'histoire de France qu'on raconte. Vous avez par exemple LIP, là, Boussac, là, Manu France. Ne m'appelez plus Manu France! La France est mal laissée tomber! Et un Zorro qui va arriver! Parce que le maire de Saint-Étienne, où il y a Manu France, c'est un maire communiste. Il savait pas pourquoi il avait été élu aussi facilement. Eh ben, il vient de comprendre, là. Il a fait, bon sang, mais c'est bien sûr. Alors, suivez, je vais vous expliquer. La société, c'est une chaîne. Salut les moyons. Bon, la chaîne, vous avez l'État, le patron, le syndicat, l'ouvrier, la police, qui remet tout dans l'ordre. L'État, le patron, le syndicat, l'ouvrier, la police. Quand il y a trop d'ouvriers dans la rue qui gueulent pour trouver du boulot, on leur envoie les polices, comme ça, ça fait toujours du boulot aux flics. Parce qu'en France, quand ils veulent du boulot, on leur tape sur la gueule maintenant. On veut bosser, salaud, là! Bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Bon, alors, quand il y a trop de mecs dans la rue, l'État dit au patron, engagez-moi donc des chômeurs qui font des ordres. Alors l'autre, il engage les chômeurs, non? Puis il remplit le stock, puisque déjà, il n'en avait pas besoin, les chômeurs qu'il y avait là dehors. Puisqu'il n'arrivait pas à vendre déjà avant. Alors le stock est plein. Quand le stock est plein, qu'est-ce qu'il dit le patron? Il se tourne vers son partenaire social, qui est le syndicat. Suivez, prenez des notes, je ne vais pas répéter. Et puis il dit, voilà mon gars, on va être obligé de débaucher une certaine catégorie de personnel. Le syndicat appelle à la grève. À la grève! Les ouvriers, qu'est-ce qu'il dit? C'est la grève, mais ils viennent d'embaucher. Ben, ils débauchent, ah bon. Salaud, le patron, engagez nos caméras! Aïe, pense la tête! Aïe, pense la tête! Salut, Roger, t'es dans la police maintenant? Aïe! Bon. Alors, comprenez, parce que la grève dure des fois 3 semaines, des fois même 3 semaines, voire même 3 semaines. Alors, pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'il fait le patron? Il vend ce qu'il a dans son stock, puisqu'on a arrêté de fabriquer. Lui, il continue à vendre. Fait toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. Bon. Alors, au bout d'un moment, le stock est vide. Le patron, il dit à ce moment-là au syndicat, vous avez gagné, je rembauche tout le monde. Et les ouvriers retournent bosser en chantant, on a gagné, on a gagné, à part les 3 semaines qu'on a perdues. Bon. Alors. Non, laissez, laissez. Non, laissez, laissez. Bon. Évidemment, quand ils sont embauchés, ils sont augmentés. Et d'ailleurs, c'est là qu'est le problème. Parce que le patron, il me l'a dit. Il m'a dit, vous comprenez, le problème, il est simple. Les ouvriers, ils demandent ça. Bon. On leur donne ça. Bon. Mais ils le prennent. Alors moi, je suis tourné à l'usine, il y avait des remous. Ouais, elle a fait la grève 3 semaines, elle a gagné tout de peu. Et puis finalement, à la fin de l'année, on aurait perdu le pognon plutôt qu'on aurait gagné. J'ai dit, camarade, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois. À cela, je dirais, rappelez-vous l'essentiel. Camarade, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire.